Jacob Bleu, artiste visuel, opérateur culturel ivoirien. Et là, ce soir, je présente deux artistes importants. Vincent Bandevé, qui est un peintre et qui travaille sur l'urbanité et le mouvement Nushi, le mouvement hip-hop et tout ce qu'il y a autour de nous dans le ghetto et dans la ville. Et puis avec lui, nous avons Cédric Sambo, qui est un sculpteur d'origine congolaise, qui s'intéresse à tout ce qui se fait dans les mines. Voilà le travail des mineurs, sous terre et tout. Et le thème de la solution, c'est rester en vie. Parce que lorsqu'on est sous terre, notre prière, c'est de pouvoir rester en vie. Lorsqu'on est sous terre également dans le ghetto et dans les milieux urbains, la prière de tous, avec tous les dangers que cela renferme, c'est de pouvoir rester en vie. Et donc c'est une très belle exposition qui est une exposition d'espoir, d'espérance, pour que chacun puisse rester en vie et espérer des lendemains meilleurs. Elle part de quelle date à quelle date? Et cette exposition part du 2 décembre 2021 au 22 janvier 2022. Donc une très belle exposition à voir à la Fondation BJKD, à la Riviera 3. Un espace fabuleux, merveilleux, à voir absolument. C'est Max Sumo, je suis artiste visuel sculpteur, résident en République démocratique du Congo à Kinshasa. Je présente une série que j'ai nommée Devoir des mémoires, qui traduit l'idée bien sûr de l'histoire de la République démocratique du Congo, qui est en même temps aussi un devoir de mémoire, qui parle de mon pays d'où je viens, bien sûr la République démocratique du Congo, qui traduit l'idée bien sûr de cette exploitation que la RDC, mon pays, est en train de subir. Parce que c'est une histoire qui a commencé depuis la colonisation et qui est un sujet aussi de l'actualité. Donc j'ai voulu présenter et représenter ces personnages-là qui travaillent à la mine, avec tout ce problème, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces difficultés générées où ils sont exposés à eux-mêmes bien sûr, et puis à des problèmes environnementaux. Et en même temps, ce sujet m'a touché à cœur et je voulais en parler bien sûr dans mon travail pour interpeller et pour dénoncer aussi cette exploitation illégale qui se passe bien sûr dans mon pays, qui est la République démocratique. Je m'appelle D.V. Vincent, je suis artiste peintre. Et bon là, j'expose aujourd'hui à peu près un peu plus d'une vingtaine de tableaux à la fondation ici, BJKD. Et en fait, là, derrière moi, vous voyez en arrière-plan un de mes tableaux, qui traite de la violence urbaine. Il y a certains aspects dans notre société qui ont une charge négative, mais bon, ils existent et ce sont des fois des problématiques qui demandent d'être résolues ou tout au moins amoindries. Donc en fait, comme je suis un artiste, je suis sensible aussi à mon environnement, je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. La violence en terre urbaine chez les jeunes, voilà, j'ai posé mon regard là-dessus. Et j'ai fait une série de toiles là-dessus, et en l'occurrence celle-ci. Et puis bon, en fait, c'est le phénomène des enfants délinquants, de la petite délinquance, mais c'est une forme de gangrène dans notre société, et qui gangrène aussi la jeunesse. En dehors de la drogue, hein, c'est un peu lié également. Donc oui, un artiste est là aussi pour mettre le doigt où ça va pas, où ça fait mal. C'est ça aussi un artiste. Elle est sale, Maïs. Je m'apprête à Sinon, tu penses pas. Non, c'est juste. C'est juste.
Thank you.